Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro d'Entre nous soit dit avec un invité au destin tout à fait étonnant. Conférencier, philosophe, enseignant, écrivain, poète, fondateur de l'université populaire gratuite, un transmetteur de savoir, un puits de science qui aime à se définir non comme un juif mais comme un hébreu de retour sur sa terre. Il va nous expliquer tout cela en détail. Je suis ravie et je dois dire un tout petit peu intimidée de recevoir ce soir Monsieur Ronnie Acridge. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Galit. C'est un plaisir partagé. Eh ben c'est un immense de plaisir. ce moment euh, entre, entre nous. nous. soit dit. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation Ronnie. Alors si vous permettez, vous allez beaucoup parler ce soir et je suis persuadée qu'on finira de toute façon frustré parce que vous avez Tellement de choses et c'est tellement riche qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. Malheureusement, on sera limité euh, par le temps, mais on a quand même euh, le temps de. de, de on va avoir le temps de développer certaines euh, certaines pensées, certaines idées. Mais si vous permettez, j'aimerais planter le décor pour ceux de nos téléspectateurs qui vous découvrent ce soir. Donc, vous êtes né en Algérie en 1955. Vous quittez l'Algérie à l'âge de 5 ans. Vous arrivez donc en région parisienne. Où vous grandissez dans les années 60 et années 70, dans un milieu très éloigné du judaïsme et du sionisme. Vous êtes révolté, voire révolutionnaire, et vous militez au sein des cellules trotskistes et de l'OCI, l'Organisation communiste internationale. Votre enfance, votre adolescence, votre histoire, vous destinez plutôt à devenir un, une sorte de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être, peut oui, avec peut-être pourquoi pas une carrière euh, politique euh, française. Et à la fin des années 70, vous décidez, vous avez le choix en fait, vous décidez d'aller au Cambodge pour exercer votre métier qui est infirmier réanimateur, pour aider à l'époque les populations en pleine euh, guerre euh, civile là-bas. Et avant, vous vous dites que vous allez peut-être faire un crochet par ce petit pays dont on entend parler. Euh, pas mal dans les, euh, dans les infos, mais avec lequel vous n'avez pas beaucoup d'attache, Israël. Alors, on est en 1979, vous avez 24 ans, et vous ne quitterez plus jamais cette terre d'Israël. Tout ça à cause du que j'ai envie que vous nous racontiez. Vous en savez des choses, <laughs> d'abord. Et mon arrivée en Israël est d'abord euh, une arrivée dans un isolement total. J'entends par isolement total le fait que je ne connaisse euh, absolument personne, que ma famille étant ce qu'elle est, il n'y a aucune attache euh, possible à retrouver ici, ni de près, ni de loin, et même euh, d'un point de vue euh, d'amis ou de camarades ayant euh, comment dit, été rencontrés durant euh, ma jeunesse à travers mes parents, ma famille, ou moi-même, personne. Puisqu'il faut dire quand même que vous, ce que vous avez l'habitude de dire, c'est que jeune, vous détestiez littéralement les Juifs. Oui, c'est-à-dire que j'avais pas une, euh, j'avais plutôt une inimitié vis-à-vis -vis de, des Juifs. Ce n'était pas quelque chose qui me, qui me paraissait très ragoûtant. <laughs> euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'anecdote la plus connue, ben, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais <laughs> en classe de première, cette demoiselle qui n'en sera jamais rien jusqu'à aujourd'hui, il, il y a 50 ans de cela. Et quand on m'a dit son nom, qui était un nom à consonance un peu moins euh, juif, je n'y ai jamais adressé la parole ni en première ni en terminale. Et Juste que... pour cette raison. Ok, Alors que, bien évidemment, vous comprenez que si j'ai demandé son nom, il y avait une raison <laughs> et que nous n'avons pas besoin d'expliciter ici. Et le fait est que des années plus tard, sur France Inter, alors que j'étais interviewé, de passage en France, et j'ai demandé euh, à cette dame en donnant son nom et son prénom et, qui sont restés gravés dans ma tête, pardon, bien qu'elle n'en ait jamais rien su et il est très possible qu'elle n'en sache strictement rien. Voilà, et donc arrivé en Israël, j'étais seul, j'ai rencontré des gens bien entendu euh, à Lulpan, mais euh, l'anecdote c'est que j'arrive ici au mois de juillet 79. Et en septembre sont les fêtes et mm -hmm. je suis assis sur le banc de Rehov à Baka, Jérusalem. Et la cuisinière sort avec son sac sous la main et me dit qu'est-ce que tu fais là Avec le, elle parle les français hébreu comme ça. Et je lui dis bah j'attends le repas du soir. Elle me dit mais ce soir il n'y a pas de repas. Il y a bon et que se passe-t-il donc Et elle me dit ce soir c'est Rosh Hashanah ». Donc, vous ne saviez même pas quand c'était Hachana Non, je ne m'étais pas intéressé. Oui, d'accord. j'avais entendu. Mais Rosh dans votre famille, vous fêtiez Rochachana qui pour. Euh, oui, qui pour, bien entendu. Vous imaginez bien qu'on arrive avec vison, fourrure et, <laughs> et rivière de diamants. Euh, en voiture moment, ou pas en, en voiture, bien, bien entendu. sûr. Bien Comment, bien il ne faut, faut pas exagérer. Et puis, on arrive surtout pour cette espèce de grand défilé carnavalesque et folklorique que font les Juifs chaque année. <laughs> Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je ne peux pas supporter ces rencontres euh, cultuelles euh, qui tournent au ridicule et, et assez insolentes. alors, comment vous arrivez à Jérusalem Vous, pourquoi ah ben, vous n'êtes pas allé la... à Tel Aviv Ah, ben je ne sais pas, l'ulpan qu'on m'a donné était à Jérusalem. D'accord. Et donc, j'arrive et donc cette femme me dit, alors, de la famille, des amis, enfin, ce que je vous ouais. raconte à l'instant, et je lui dis rien, rien, rien. Elle est tellement bouleversée qu'elle éclate en sanglots et qu'elle me dit Viens avec moi, tu vas passer au Shoshana à la maison. Et y a une d'abord, sont des gens très sympathiques, d'origine marocaine, mais je vais surtout découvrir quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui, eh, mon épouse maintient cette tradition du nombre incalculable de salades <laughs> les jours de fête et de Shabbat. Donc j'ai été absolument ébloui. Et donc, euh, j'ai posé ma candidature au ministère de la Santé. Mmh. J'étais le premier euh, du nom de cette formation spécialisée en anesthésie-réanimation en ayant étudié le CIUD, c'est-à-dire l'infirmerie. Oui. Et donc, j'ai été reçu au service de réanimation à Adassa Nkarem de suite. Et vous y êtes l'armée m'a pioché pour l'école d'officier également euh, très rapidement parce que c'était inconnu sur le terrain. On et à l'époque, vous, vous êtes aider. toujours un chiloni oui, toujours. Vous et êtes toujours un frilonnier. J'avais quand même été chez le coiffeur. D'accord. Mais pendant des années, j'avais les cheveux longs, les idées courtes, et au fur et à mesure, mes cheveux vont raccourcir et mes idées se rallonger. Et alors le, 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 le communiste, le, le trotskiste que vous êtes en arrivant, parce En arrivant ici, je suis déjà en contact par des lettres de recommandation avec Yoel Khazan au Mapam, le parti ouvrier, euh, qui, qui est en quelque sorte le parti communiste sioniste. Mm -hmm. Et donc je suis avec eux. Je vais aux réunions les shabbatot, C'est comme ça que je découvre un certain nombre et fais connaissance d'un certain nombre de personnes. Mais il s'avère que mon poste à Dassa euh, euh, commence, doit commencer. Et dès le début, donc euh, je vais rencontrer une personne qui, et encore ce matin, je lui parlais, qui va devenir un peu un, un, un maître d'enseignement et dont le père était malade en Tippoulimrat. Et la famille va lier des liens très proches avec moi. Et je ça aussi, ce n'était pas prévu. Le mariage, c'est pas c'est pas quelque chose qui était véritablement prévu au programme. Soigner les les massacrer des Khmer rouges et se retrouver marié à Jérusalem <laughs> et ne pas avoir d'appartement où habiter si ce n'est il y avait un téléc à Rehov à Jérusalem. Donc là vous, êtes, là, vous vous êtes marié déjà Oui, je me suis marié. Là, vous vous êtes marié, vous vous, Loulpan, vous installez. Après l'Ulpan, j'ai habité un certain temps, euh, ce qu'on appelle maritalement. Oui. Et ensuite, nous avons décidé de lier nos liens par euh, les vœux du mariage. Et, et, donc, et donc, à l'hôpital, cette, cette ancienne famille euh, me retrouve à Rehov Ben -Zion, à Kirat Moshe, où je suis là pour 30 jours parce que je n'ai pas où aller. D'accord, c'est ça. J'ai posé que vous... des bagages et je suis nouvellement marié. Et apparemment, là-bas, c'est tous des, des religieux. Ils entendent qu'il y a un Khatan et, et une Kala. Alors, ils veulent nous faire euh, la fête. Et puis, un soir, il y a une jeune fille qui frappe à la porte et elle me dit euh, My dad invite you to dance. Et alors, moi, vous m'avez dit danser. Alors, alors c'est ça. Il faut, il faut dire que vous êtes un danseur. Non, j'ai appris la danse. Bon, bref, mais c'est pas ouais, très mais important. Oui, mais c'est rigolo. <laughs> oui, mais j'ai appris la danse. Parce les, que les quand, on vaut, quand on vous voit aujourd'hui, c'est. Et je dansais voilà. deux fois, trois fois par semaine, je dansais. Ça, c'est obligatoire. Il y avait le militantisme, les manifestations, et la les danse. assemblées générales. Et, mais, mais ce côté-là, c'était le côté euh, nécessaire. Donc euh, cette petite fille vous, vous drague en, elle, avec elle, la danse. Elle, elle, elle m'amène dans un endroit. Il s'avère que c'est la yeshiva du Merkaz et je les vois, je vois ces jeunes tourner en rond. Euh, mm -hmm. J'ai dit à ce moment-là, voilà, mais personne ne me comprenait. Ils ont la danse du Saint-Guy ou quelque chose comme ça. Et le lendemain, les, 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 les directeurs, enfin, le, le, il s'appelait le Rav Shaoul Israeli, euh, son souvenir soit béni, était le 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 rosh yeshiva avec le Rav cook, et ils sont venus me voir en me demandant si en dehors de mes heures de travail, je pourrais m'occuper de leurs bêtes. Et donc le lendemain matin, on m'a pris en taxi à Dassa, là où je oui, travaille, mais je ne oui. travaillais pas ce jour-là. On est monté au huitième étage en petit bête et en sortant de l'ascenseur, on nous stoppe. stop. Et oui. je regarde euh, celui qui va devenir mon maître, Ravilel, il s'appelle Hillel, enfin moi je l'appelle Hillel, et il me dit, une minute, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale vont, vont sortir. C'était des machins avec, euh, oui. avec oreillettes. Et donc, euh, Menachem Begin et Zvoulan Amère venaient d'aller visiter le Rav Le Rav qui était donc hospitalisé. Voilà, est hospitalisé, donc je rentre là-bas. C'est là que vous faites la, cette, cette rencontre je qui va bouleverser la votre vie. Et pendant, euh, pendant des mois, quoi, Je veux dire, il n'y a, a pas de bouleversement euh, de ce qu'on connaît, d'espèce de prosélytisme religieux euh, pathologique mélède fait Shabbat, etc. C'est pas ça. Si tu me dis fais Shabbat et filin c'est tu as toutes les chances pour que pour que je ne le fasse point. Mais ce côté de vouloir découvrir un hein, des moments importants à aider d'un homme qui est qui le sert qui va devenir un ami un ami à moi Yossi Badichi, qui m'aide en hébreu à comprendre parce qu'il a un accent yiddish à couper au couteau et il il me dit est-ce que vous aimez Paul Valéry Aristote il parle français, le Ravkouk. Le Ravcook et, parle français, d'accord. Et je lui ai dit, oui, il me dit, pourtant vous êtes encore assoiffé et affamé. Ah, j'ai dit, on ne peut pas l'être autrement. Il me dit, mais vous l'êtes encore et toujours aujourd'hui, parce, parce que vous vous êtes abreuvé à des puits qui ne viennent pas repaître votre soif. Mais si jamais vous décidiez de vous abreuver à un puits qui ressemble à celui qui serait le vôtre, il va de soi que vous arriveriez à repaître cette soif, et même à pouvoir abreuver bien d'autres. C'était prémonitoire. C'était prémonitoire et c'est surtout et là que… Le, que... Le, le, la, la manière de m'intéresser et de connaître euh, tous ces gens qu'on connaît aujourd'hui, Renaud Livracha, le Rav Zuckerman, le Rav Aviner, mais, mais je fais connaissance avec André Neher, Eliana Amado, lévi Rachel Israël. Et alors… Le monde qui m'emporte, c'est le monde que j'aime, c'est-à-dire le monde de la philosophie. De la philosophie, de, 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 la... L et, de et, et, et du judaïsme, du sionisme religieux. Et finalement. du sionisme religieux, parce que, à travers l'étude de la pensée euh, qui m'est enseignée, celle du Rav Kook, je découvre quand même un personnage assez hégélien euh, quand on sait que Hegel, euh, dans ses écrits, en tout cas, est intimement persuadé de la finalité de l'histoire. Il y a une tautologie à son enseignement qu'on retrouve chez le Ravcook et donc ça va m'intéresser. Et puis d'une chose à l'autre, alors un jour, euh, je fais Shabbat et puis les salades. Ah ben, les salades, les c'est fondamental, ça restera un, un point cardinal, si <laughs> ce n'est un <laughs> élément vectoriel de mon existence <laughs> jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez, je, je me porte assez vous vous bien. bien. Rien n'a euh, d'emprise sur moi tant que les salades sont là. Et, et, vo et voilà, et, là, moi, dire, euh, et, et, et donc j'ai quitté le, le MAPAM, bien entendu, oui, oui. mais… Euh... Donc là, vous rentrez dans une vie où vous êtes la journée euh, infirmière et oh, animateur, la journée, anesthésiste. la nuit, le soir… Non mais ça c'est… Le... enfin voilà, ça c'est… Okay. On, on va un peu, un peu simplifier, ça c'est votre journée… Et sept ans, je vais étudier. Vous étudiez, voilà. vous ense... puis après vous enseignez… Après, après, d'abord… Et il la va nuit, falloir... vous écrivez et je, je... Non, je commence à écrire beaucoup plus tard. Je commence à écrire en 2006, mais euh, jusque pendant les années 81, soit vraiment 81 où je commence, euh, mm -hmm. Kipat, filin, shabbat, euh, et d'étudier. Je rentrais au mercredi arabe, je ne connais rien. Alors, on me mettait à la bibliothèque mm -hmm. et les élèves avaient, qu'on dirait, reçu des instructions <laughs> que si je levais la main, on venait voir ce que j'avais besoin. <laughs> Il y avait des élèves francophones J'étudiais les maximes des pères, ça me, ça me paraissait très intéressant comme loi euh, morale et droit d'éthique. Et donc, à chaque fois, que je levais la main. Les pire à vote. Les à vote, ouais. oui. On venait m'expliquer, m'apprendre. Et puis au fur et à mesure, je vais avoir des maîtres comme le Yosef Zini qui vont euh, m'enseigner plutôt le côté euh, législatif, le Ravilel, le côté beaucoup plus euh, philosophique. Et puis bien d'autres qui vont m'accompagner. J'ai eu la chance de, de rencontrer tout un chacun. Je n'ai jamais, jamais, dans, durant ces 43 ans, étudié dans une classe avec des élèves. Donc toujours je avec parle un du point de vue du point de vue euh, des, des études hébraïques. Oui, oui, oui. Ce que je vais faire plus tard, comme licence à l'INALCO, LANGSO à Paris, etc., bien sûr que c'est dans un amphi avec les. Mais toutes ces études qui nous permettent de découvrir un savoir, d'avoir la capacité d'entendre et de comprendre en ayant connu et su, bien cela se fait face à face. Imaginez une espèce d'énergumène comme moi qui se retrouve avec un professeur André Neer qui vous dit « nous allons étudier le panthéisme et le panentéisme ensemble » d'après euh, le livre euh, sur euh, la, la prophétie qui a été écrit… L'homme chané et face à face, je veux dire, vous, vous retrouvez avec des tas de gens qui vont vous adopter et vous ne comprenez pas pourquoi. Et à, et à quel moment finalement vous comprenez que la pensée juive, la philosophie juive, euh, fait de, va, va faire de vous ce que vous appelez vous un hébreu et, plus, moment, et pas un juif. Au moment où je vais commencer à parler. Au moment où je vais rencontrer Manitou. Étudiant, j'avais soigné son père. Par des contacts de mon papa, on m'avait envoyé rue de Trévise à Paris soigner un vieux grand rabbin d'Algérie qui s'appelait euh, David Ashkenazi. Son fils Manitou, euh, Rav ouais, Léon et, Ashkenazi et, et, et pendant une de mes gardes, il y avait sa sœur Evelyne, et, et, et Manitou arrive et la sœur ouais. me dit euh, Je vous présente Manitou, mais vous devez connaître. Je dis Non, pas du tout. <laughs> c'est pas ma tasse de thé. Donc, euh, c'est certainement pas. Et puis, euh, quelques, donc c'était en soixante euh, ça c'était en, en 78, mm -hmm. et je le retrouve en 81, trois ans plus tard. Et quand Ici, je en rentre, Israël. Oui, au Merkaziaïr. Et quand je rentre, il me dit C'est toi Et moi, je ne le remets pas du tout, mais il va se créer des liens. Donc euh, moi, je n'ai pas suivi l'enseignement de Manitou, mais disons que de cette époque-là, euh, nous aurons des rencontres et puis surtout en fin de vie, il va, il va se retrouver dans mon service et donc ah, euh, oui. je prendrai les gardes de nuit pour pouvoir être Avoir dehors de mes lui. malades, de pouvoir m'asseoir à côté de lui et de pouvoir euh, échanger, parler, converser. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec un enseignement formel. Mais, en... Mais c'est surtout, ça n'a rien à voir avec un, ense... envie de dire, avec un enseignement religieux de base. Tout est lié toujours à la philosophie. Vous revenez toujours à la pensée. C'est-à-dire à que de... que ce soit Le Leraf Cook, que ce soit Manitou, que ce soit André Neer, tout cela, c'est des philosophes oui, Bignam, finalement. Benjamin Gross aussi, Benjamin Gross, Gros, Eliana lévy valensky <laughs> philosophe, psychanalyste, tous ces gens qui faisaient à une époque, j'apprends ça après, bien entendu. Qu'on appelait les intellectuels juifs de France, les colloques mm -hmm. euh, en France. Donc, euh, ils me permettent de découvrir. Et puis, très vite, je suis contacté non seulement l'école d'officiers euh, militaires, oui. quoi, mais d'autres services euh, m'invitent. On n'a pas besoin de ça détailler. Ça aussi, l'antimilitariste que eh, vous avez pu être dans eh, votre jeunesse. Eh, ah oui, alors ce là, là c'est oh, pire que ça. C'est que je me retrouve dans des situations que je ne connaissais que le dimanche après-midi à travers John Wayne. <laughs> Et là, c'est <laughs> véritablement pas euh, non plus ma véritable tasse de thé. Mais moi, si vous voulez, l'uniforme est un peu euh, un, un succès d'année. Essentiellement, ce qui m'importe, c'est de pouvoir à, apporter le mieux-être. Mm -hmm. Je veux dire, un garçon qui a pris euh, une balle et qui a besoin sur le terrain d'une trachéotomie ou de, de rentrer un trocard pour éviter... Euh, un trop plein d'eau ou d'air, sans rentrer dans les détails, fait que vous sentez que vous faites quelque chose. Et en même temps, des, des services différents vont m'appeler auxquels je vais refuser de participer parce que c'était pas non plus euh, quelque chose auquel j'aspirais devenir euh, représentant agricole au centre afrique euh, Bon, c'est pas mon métier. Et de là, je vais arriver à un dernier bureau. Où, me, où la personne qui me reçoit, je ne sais pas qui c'est, et tout, tout le monde a l'air d'avoir les yeux euh, écarquillés de cette, de cette rencontre. Quand je rentre dans le bureau, il me dit C'est le dernier bureau de là, tu diras oui. Et je lui dis Mais qui êtes-vous ah, Il dit Moi, je m'appelle Ouzi. Ah, je lui dis Ouzi et Il me dit Oui, c'est marqué là. Et je vois marqué Alouf Ouzi Narkis. Pas qui. Le Libérateur de Jérusalem, avec Rabbi et Dayan, Ah, hein. ben voilà, vous savez. Et, je... et il travaille pour l'information d'Israël. Et donc, à ce moment-là, avec un euh, tas d'organisations, dont principalement le mouvement de de France, etc., mm -hmm. les pays francophones, mm -hmm. on, me, on me donne une expérience. Euh, euh, comment on appelle ça Donc là, ça, vous partez on... en Schlichhout Non, je ne je vais, je, je vais, pendant 20 ans, je ne vais faire que ça, aller-retour. Mm -hmm. D'accord. Je vais faire des aller-retours, des, 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 des conférences, séminaires. des séminaires. Des conférences, des séminaires et, et un, une capacité tout à fait particulière qui va faire euh, qu'on va même faire euh, un film qui passera à la télé, qui sera à la croisée des chemins, euh, une émission avec Haïm Yévin, le présentateur euh, éponyme de, 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 de la première chaîne et de la seule chaîne de télévision israélienne à l'époque. Et l'idée de, de venir, comme dans certains articles, de Léon à Moshe. Léon, c'est Trotsky, Moshe, c'est Rabénou. Enfin, ben ceux qui l'appellent et, et de Léon à Moshe, et, et là, il y a véritablement, le matin où je rentre à Dassa, c est, c est Adassa, c'est le Mancal d'Adassa qui me reçoit, quoi, et de l'histoire qui a été racontée, véritablement. Et donc, le, but, le, le la finalité, ce sera de, de, de dire à ces Juifs que je vais rencontrer pour la première fois, parce que je ne les fréquentais pas précédemment. De manière aussi euh, euh, Assis. assidue Assis, et continuelle. Oui. De, 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 J'ai mon, monté un, un espèce de one-man show pour ne pas que ce soit une conférence didactique, etc., où, euh, en fin de compte, euh, j'utilisais l'ironie et la parodie. Et le plus grand des moments, ça sera. Quand je passerai avec Chimi Tavori au Palais des Congrès à Paris en première partie. Je suis sûr, là, que, mes parents, sp... je suis sûr que mes parents là, étaient à ce concert. Là, c'était un spectacle et j'étais absolument étonné. Le, le chef de plateau, qui était un monsieur de couleur très gentil, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis animateur et puis conférencier. J'habite en Israël. Il me dit, si vous voulez changer, vous nous parlez parce que nous, on les voit tous les soirs sur la scène. <laughs> Alors vous avez autre chose à faire dans <laughs> la vie que ça. Mais bon, bon. ça ne nous intéressait pas particulièrement. Mais le fait de savoir euh, que ce qu'on était en train de faire était de vouloir ce que je voulais pour moi-même. Il est impossible de ne pas savoir et de ne pas connaître. Si l'on ne sait pas et l'on ne connaît pas, nous sommes dans l'incapacité probante à tout entendement et compréhension. Et le juif, le juif de diaspora le juif de la diaspora. Si mais... Et s'il <laughs> hein. connaissait, est-ce qu'il resterait en diaspora Est-ce que pour vous, toute, la place de tout juif est en Israël ou est-ce qu'on a besoin d'une diaspora je pense, je pense que la place du peuple d'Israël est, est en Israël. Le peuple juif est une antinomie. Je n'accepte pas ce concept. D'accord. C'est une erreur. Mais le juif, d'après ce que j'ai cru comprendre en, en vous lisant, le. le... Le juif est une identité que l'on peut avoir en diaspora, mais à partir du moment où le juif vient et décide de s'installer ici sur la terre de ses pères Absolument. en Israël, ça devient le un hébreu. Quand vous traduisez juif et vous parlez de yéhoudi, vous parlez d'un élément euh, fractionnel. À partir du moment où vous êtes fracturé dans l'identité, cette fracture peut s'appeler l'exil. Hannah Arendt a écrit. Hein, un travail merveilleux sur la question du, du juif paria. Un autre livre où elle écrira à propos de Rachel euh, Waringen, sur celle qui tenait les salons berlinois. Il est clair que ses propos à travers elle, mais il y en a eu bien d'autres qui ont été exprimés. Le livre de Théodore Lessing sur la haine de soi est un des moments épiques de l'histoire juive et les nazis vont répondre à son appel. Il a tellement Pris conscience au moment de la montée de Hitler de de de, de l'auto-hégémonisation de son être identitaire, qu'il dit qu'il n'a même pas le courage par la lâcheté fractionnée qui est en son sein d'en finir avec lui-même. Et les nazis arriveront à Marienbourg et lui mettront deux balles dans en la tête. Avec lui. Et donc à partir du moment où vous parlez de Yehudi, vous parlez de Yehuda. Yehuda sans rentrer dans les détails, parce qu'avec Yehuda, il y a Binyamin, un peu de Shimon, et puis euh, des, des euh, comment dire, des résiduels de, ci, de là. Mais lorsque vous parlez de Yehuda, c'est un douzième. Et lorsque vous priez et de, et de, de nous rassembler sur notre terre, c'est afin de retrouver le nombre entier. Le nombre entier s'appelle un. Douze, douzième. Un. Et donc, c'est un engagement que vous prenez par rapport à cela. Je pense intimement qu'au vu et su de l'histoire est dramatique, mais je dis dramatique et non pas tragique, parce que la tragédie est un drame qui se finit mal alors que le drame est une tragédie qui se finit bien. Donc je dis que la création de l'État est venue nous prouver de manière euh, euh, essentielle qu'il s'agissait d'un drame et nous en avons vécu d'énormes et le dernier en date que l'on rappelle à tout bout de champ. Et, et, et bien, il est clair que dans ces, dans ces conditions, je ne vois pas comment nous aurions la possibilité d'assumer pleinement et entièrement ce que le droit international définit à propos du peuple, sa langue, son histoire, sa culture et sa tête. Vous avez remarqué que nous parlions l'hébreu, enfin, pas ce soir, mais de manière générale, nous parlons l'hébreu. Chacun me demande l'université euh, populaire gratuite en français. Je dis que Dieu nous préserve. Ça s'appelle Amamit ammunita. Café d'art, pour euh, ceux qui veulent pas trop réfléchir. <laughs> et, 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 et donc euh, l'hébreu est essentiel. Mais euh, prenez, relisez le philosophe Wittgenstein. Il va vous expliquer que la langue est pourvoyeuse de sens. Elle est porteuse d'une définition intitulé de l'identité de l'homme. L'histoire, bien entendu. L'histoire est fondamentale. Combien de nous prenons le, le, fameux, le fameux concept Ah, on m'a dit quand je suis arrivé ici, vous voilà avoir rejoint le peuple du livre. Ah, ben vous m'en voyez ravi. <laughs> Seulement, depuis 43 ans, c'est d'ailleurs la spécialité que j'ai choisie c'est la philosophie de l'histoire biblique, je me suis rendu compte que le peuple du livre, il y avait un peuple, mais bien loin du livre. Nous sommes, nous sommes, en, et je ne parle pas de l'étranger, je non. parle de manière générale, devant des individus tout simplement incultes. Il faut savoir, reconnaître, quand je suis arrivé et qu'il m'a dit, vous connaissez Valérie, Aristote, mais vous ne connaissez pas euh, Yehuda Lévi, Razdai Karkash ou euh, je ne sais quel autre. J'ai pris conscience que j'étais un inc... Alors que pour vous, la nation, la nation d'Israël, la, la nation juive, la nation d'Israël, c'est un triptyque et ça ne va. C'est donc le peuple, oui, la terre oui. et la Torah. Et Absolument. ça ne va pas. Et, ça, et, 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 et quand, quand et il, il en manque un, il n'y a pas de Et des ma trucs. chère Galite, la Torah, non pas comme un événement religieux. Enlevez ce mot de votre lexique, c'est un fourvement linguistique et intellectuelle que je me refuse à adopter. Torah veut dire enseignement. Nous enseignons parce qu'il y a un manque de connaissances, un manque de savoir. L'accumulation de savoir et de connaissances a une seule fin, l'entendement et la compréhension. Savoir, c'est une force. Apprendre. Oui, savoir bien entendu. Mais, bien mais, mais ce que je veux dire, c'est que, est ce que pour vous, est-ce que, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, on est dans une, on est dans une époque où tout est trop facile, trop facile d'accès, fa... tout est toujours trop facile. Est-ce que ça a rendu, est-ce vous... que ça a rendu l'individu tellement, euh, tellement feignant Est-ce que c'est par manque d'ambition qu'il ne sait êtes, pas Vous êtes que... gentil quand vous dites fainéant Moi, je dis qu'il y a une atrophie neuronale avec une déficience synaptique. Euh, C'est beaucoup plus probant, à mon ami. Et, et encore une fois, je vous répète lorsqu'un de nos patients a été opéré, nous essayons de le faire se lever le lendemain le plus rapidement possible. Pour éviter quoi Cette atrophie -là. Cette récession musculaire, par exemple. Mais si la personne est dans l'incapacité chirurgicale de devoir se lever, au moment où il se relèvera, dix jours, vingt jours après, la première ordonnance va concerner quoi La kinési la kinésithérapie, la physio, la physiothérapie, la rééducation. La, la, rééducation la rééducation fonctionnelle. Pour quelle raison Parce que vos muscles ce ne ce sont plus ce qu'ils furent. Oui, vous ne savez pas. Parce qu'on les a pas utilisés. Vous ne, vous ne savez pas. Vous n'apprenez pas. Il y a une atrophie neuronale et une déficience synaptique. Les synapses, pour vous rappeler, ce sont les, les, les 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 émetteurs les transmetteurs euh, entre les neurones, les transmetteurs d'informations. Et, et nous sommes... Nous, alors, vous rappelez que nous voulons tout et maintenant, ça s'appelle le maintenantisme en philosophie. Alors, vous avez Shalom Archav, mais vous avez Machiav Archav. C'est la même race de magasin. Alors, il est impossible de penser au maintenantisme lorsque nous avons conscience que la, que la nature physiologique de la pensée, de l'anatomie ou de la physiologie est quelque chose qui ne peut être en devenir qu'à travers une évolution lente pour être certaine. Oui. Alors... Respirez. Non, je respire, je respire. Je, 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 je savais qu'il fallait, qu qu fallait, pendant cet échange, que je, que je m'accroche à mes neurones. C'est ce que j'avais dit. Alors, absolument. Euh, C'est ce que j'avais dit. Euh... Et vous avez tout à fait raison. <laughs> Mais... Et si Tandem est l'élément le, le, vectoriel par lequel nous, nous, nous pouvons faire passer ces entendements-là et ces compréhensions-là, il est bien évident que, rappelez-vous, on vous a dit ne fumez pas. Ne mangez pas trop gras. Faites un peu d'activité. Ce sont les gens qui ont étudié quelque chose de médical qui sont capables de comprendre et d'entendre. Que la symptomatologie euh, va nous faire valoir qu'il y a une pathologie derrière. Pour éviter cette symptomatologie, il va falloir euh, savoir et apprendre que l'on ne fume pas, que l'on ne marche pas trop gras, qu'on fait du sport. Vous comprenez Oui. Et, et de, de la même. J'emploie, j'utilise un, un langage métaphorique, mais, mais qui rejoint tout à fait le propos qui est le nôtre et en aucun cas. De pouvoir se laisser aller à cette espèce de nonchalance, nonchalance intellectuelle, nonchalance religieuse, nonchalance culturelle. Je vous donne un exemple. Je donne un cours à 4 heures, à 5 heures sur la philosophie euh, du tanar, qui a trois pelées intondues, bien entendu, mais à 5 heures pile, c'est l'heure de la prière de l'après-midi les verbes ou tout ce que vous les appellerez. Et tout d'un coup, à 5 heures, vous voyez des tas de petits bonhommes qui passent en courant, on dirait qu'ils ont une clé derrière eux. Pourtant, à 4 heures, il y avait un cours où la clé n'était pas préprogrammée, mais qui demandait de faire un déplacement pour mettre en activité le synapse et le neurone. Mais non, et automatiquement, on a la clé qui se déclenche pour aller à minhap et quand vous les arrêtez, vous leur demandez Mais quel mincha allez-vous faire et quel Shabbat faites-vous Le Shabbat qui est énoncé dans la paracha de Hitro du livre de Shemot, ou bien est-ce que c'est le Shabbat prononcé dans la paracha de Va'etranan du livre de Dvarim De quel Shabbat vous me parlez exactement On pourrait avoir une émission entière là-dessus, parce qu'en fin de compte, dans votre livre de prière, il n'est rappelé que le Shabbat de Shemot dans la paracha et pourtant Moshe enseigne à Yeshua et au peuple qui va rentrer que ce Shabbat n'enlève rien au Shabbat de Shemot, mais que l'apport ici du Shabbat de Dwarim est essentiel à ceux qui vont rentrer en Israël et qui ont une aspiration politique, sociale, économique. Et cela est passé complètement à l'as. Vous leur demandez D'après rien. Mais de rien. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on qu passe, parce que le, le temps, malheureusement, avance, 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 et qu'on passe euh, à, à, à une analyse, plus ou moins en tout cas, que vous me disiez ce que vous pensez de, euh, du contexte actuel dans lequel euh, nous sommes. Pour vous, euh, la nation d'Israël est dépositaire, légataire du projet divin. D'illuminer les nations et l'humanité. De s'illuminer. De De D'accord. Pour pouvoir transmettre une lumière. Je vous propose de ne jamais dire je aime Toura comme Tarzan aime Jane que seulement si vous êtes intimement persuadé de posséder le jeu en ayant connaissance du verbe pour mieux vous adapter au complément. Mais sans, si vous n'avez aucune conscience d'aimer, faites-moi plaisir, ne vous déclarez pas. I love you, baby, c'est bien à Hollywood, puisque là-bas, ils sont d'origine à la Goldwyn Mayer. Il a fallu être avec une atrophie nécessaire pour pouvoir créer ce qu'ils ont créé. Mais en tout état de cause, on ne peut donner à autrui, offrir à autrui que ce que l'on possède. Je comprends. Et alors, donc dans mon contexte actuel, de, la, de, ce que, de ce que, là où j'essaye de vous amener, c'est à, à une analyse parce que vous, le trotskiste, le communiste, qui avez pu voter pour la droite israélienne à un moment donné, aujourd'hui, dans, dans ce grand échiquier, que moi je ramène tout toujours à la politique en ce moment surtout, où est-ce que vous vous situez Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente aujourd'hui vos idées, les idées de René Akriche, ou en tout cas qui pense être que vous pensez être capable de faire avancer ce peuple dans le bon sens alors Vous n'avez pas tout vu, alors. J'ai un très grand euh, article qui avait été écrit durant ces quatre élections et qui est toujours valable. Je suis euh, le porte-drapeau de l'abstention. C'est pour ça que je, pour et, ça que je, que je, je vous le demandais. Je, je dis mais... l'abstention euh, parce qu'en Israël, le bulletin blanc n'est pas, euh, mmh, pas probant. N'est pas pris en charge. Et donc, euh, l'abstention. Pour quelle raison Parce que je me suis rendu compte que je participais à quelque chose qui était cousu d'avance. Et où la démocratie telle qu'elle était présentée par le système électoral, eh bien, ne nous permettait pas d'affirmer que nous étions en demos kratos, c'est-à-dire le règne du peuple. Chaque député en Israël est le député élu par le parti, mais il n'est pas l'élu. Ou si vous, vous préférez, il n'est pas dans une représentativité oui. directe et donc il n'est en aucun cas redevable vis-à-vis de, vis -vis de l'électeur de ce qui peut se passer. Bien sûr, et c'est un grand, grand problème. Alors, déjà, un grand problème. déjà, cela. En plus, bien entendu, il y a là une proportionnelle exacerbée, mais je trouve d'abord et avant tout qu'il n'y a pas, euh, comment dire, de personnalités non militaires à même de pouvoir s'engager dans un savoir et une entente et compréhension politique, même si pour ça ils auraient dû aller à l'étranger apprendre, mais qui soient des représentants politiques à même, euh, comment dire, de servir les intérêts du peuple. Nous sommes là, euh, en ce moment, si vous ouvrez les informations, nous sommes avec le problème de Gaby Eisenkot Qui euh, il veut, dans quelle liste ah, est-ce qu'il va être intégré Mais vous vous rendez compte, nous sommes là dans, euh, comment dire, une course aux généraux. Écoutez, moi, mon, mon pôle d'intérêt, mon inspiration profonde et première ne sera jamais ni le Chili ni la Grèce, celle des colonels mmh. et celle des généraux au Chili. Mmh. En aucun cas. Je dis tout simplement que s'il y a une chose qui me paraît très importante, c'est non pas les élections en tant que telles, mais si nous pouvions eh, intervenir, enseigner, faire... C'est ce, la raison d'ailleurs de mon université populaire, de pouvoir ouvrir des horizons qui nous intéressent dans toute leur pluralité afin de mieux connaître l'autre qui n'est pas moi, afin de mieux se rencontrer et de pouvoir ensemble essayer d'élaborer euh, une, une rencontre, une union qui serait à même de pouvoir répondre aux besoins euh, épiques et critiques de l'État d'Israël. Alors, c'est bien parce que vous me donnez une transition vers un de vos textes euh, que vous avez écrit récemment, dans le courant là, du mois de juin. Et dans les, les derniers textes que, que vous avez écrits et que j'ai lus, je ne suis pas allée très, très, très loin en arrière, mais les derniers textes que vous avez écrits et que j'ai lus, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt pessimistes, où il y avait quand même pas mal de. C'était assez noir. Oh, oh, oh. Et puis, au milieu de tout ça, un texte, un texte, alors vous habitez Révron, et un texte qui s'appelle, alors je vais vous le dire, puisque je l'ai noté là, Les frères ennemis en tête à tête à Révron. Okay. Et ça, j'ai trouvé texte après pas mal de pessimisme plutôt très optimiste alors très c'est un, un canalisateur un petit peu de, de, de tous les problèmes de tout de, de tout le conflit israélo palestinien c'est vraiment euh, le révélateur des relations entre entre les deux les deux peuples euh, et puis il y a eu une initiative de dialogue au milieu de tout ce de tout ce chaos une initiative de dialogue euh, et de vivre ensemble depuis quelques années dont on entend, moi je n'en avais absolument jamais entendu parler. Donc ce sont des juifs et des arabes qui se réunissent, font des réunions, des conversations, même des repas, partagent des repas, et, euh, et qui voudraient développer une collaboration sociale et commerciale. Et, et, et les Palestiniens, donc, ont, ont créé ce, une sorte de, de, vous racontez très bien dans votre texte, un parti politique, hein, carré, quasiment, carrément qui s'appelle euh, le Parti de la Réforme et du Développement, et ils l'ont créé il y a trois ans, et qui prône une autre politique face à Israël, Monsieur une politique, Diabari, une politique le... positive. Alors, vous dire, quand vous me dites, euh, vous êtes pessimiste dans vos textes, vous ne faites que me louer. J'appartiens à la philosophie pessimiste. Ça veut dire que, de manière générale, je ne pense pas que nous soyons capables d'aller vers le mieux et le meilleur, parce que qui a parce que l'homme est mauvais depuis ses premiers temps. Il y a, aussi. il y a. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas, le pas le temps non plus. Mais sachez que là où il y a eu une volonté. De se révolter, de bouleverser pour le mieux et le meilleur, ceux qui, qui ont été les maîtres d'œuvre de ces projets se sont transformés en bourreaux de ce, de, de ce mieux et ce, ce meilleur-là. Dans cette, dans cette, comment dire, scène si sombre qui me paraît, et mes, mon texte qui paraîtra demain est celui en hébreu qui est paru. Euh, ce, ce matin sur sur les les, 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 les réseaux, les réseaux et, ne, me donne à mon humble avis raison car euh, c'est de nos propres mains que nous déclarons euh, à la réunion de Madrid de vouloir créer une force de 300 000 personnes de vouloir monter six bases euh, après que la Suède et la Finlande vont rentrer euh, dans le cercle de l'oTAN euh, monter ce que disait euh, bien sûr qu'il est important de savoir, qui est l'auteur de la belligérance? Mais n'oubliez jamais de penser que, qui, qui en est la cause. C'est-à-dire qu'il y a, oui, un belligérant, mais il y a aussi une cause à la belligérance. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens le savent. Les, ces réunions dont vous avez parlé, la prochaine est le 28. Vous y participez? J'espère. En tout cas, je pense que c'est de bonne à Mais vous y avez déjà participé? Enfin, c'est quelque chose. Non, je n'ai pas encore participé. J'étais pas à Hebron, j'étais plus lié avec des gens du Gouchetion, dont un des poètes israéliens qui est très connu en Israël et qui est un ami à moi. Mais je vois dans cette opportunité-là, comment est-ce que l'on pourrait dire? Un rayon de soleil au milieu de la nuit. Voilà. Si je peux vous apporter, vous êtes triste, et je viens vous voir et vous dire un mot, faire un geste, montrer quelque chose de mon visage qui vous fasse du bien, c'est un rayon de soleil dans ce moment de peine et de contrition. Et en ce moment, on a vraiment besoin de, de rayons de soleil. Alors, vous êtes poète aussi, j'avais prévu de, de lire un de vos poèmes, oui. j'avais prévu de raconter... Cette, 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 cette partie de votre vie ce moment de votre et vie où vous êtes mort un... et ah bah ressuscité bah, bah. Ah, oui, mais ça, bon ça malheureusement ça une... malheureusement c'est on... le point eh... ah, mais le gordien eh oui. de mon et c'est bien c'est bien, bien pour ça et c'est bien pour ça que je veux absolument si vous si vous, vous le voulez bien que vous reveniez parce que c'est voilà on en est que qu'au numéro un et puis j'espère qu'on qu'on pourra faire une une série parce qu'il y a beaucoup 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 de choses que j'ai encore envie de de savoir et que, et que j'ai envie d'apprendre de vous. Alors, juste pour noter les spectateurs, on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes un pro des réseaux. Il y a le site roniacriche.com. il y a la page Facebook Passion d'un hébreu. hébreu il y a bien sûr le Café date que vous Absolument. diffusez le café partout l'université populaire, populaire euh, gratuite il y a non. vos articles, bien sûr. Et puis vous vous retrouvez votre... sur le petit hebdo, sur H-Dot Café, sur, sur Israël News, le dernier là qu'on m'a demandé, il s'appelle… Citron, citron.co.il, j'ai vu. Découverte Israël ou un truc… Ah, comme... Découverte, Découverte Israël, Israël aussi. Voilà, ouais. et puis maintenant Galit. Ben voilà. Et maintenant, tandem entre nous soit dit. Ronnie, vraiment, je, je savais que j'allais finir frustrée cette émission, parce ouais. qu'on voilà, n'a pas abordé la moitié de ce que, je, de ben, ce que je voulais. Rassurez-vous, je ne vis que frustré depuis très longtemps. Eh bien écoutez, on va essayer en tout cas de satisfaire, en tout cas de, de, de pallier à ma frustration humblement en vous invitant à nouveau à revenir euh, très bientôt sur, euh, sur le plateau de tandem. Merci René, vraiment, merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite ben, de, voilà, de, 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 une très belle soirée et puis euh, à très très bientôt sur le plateau de Tandem TV. Prenez soin de vous. Au revoir.